bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui dimanche 6 juin et je vais faire un petit tirage. J'ai reçu mes nouvelles cartes, donc on va les tester. Allez, c'est parti pour un petit tirage général, on va voir ce qui se passe. On va demander un tirage, hop là, général, et déjà, oula, il y a déjà des cartes qui sautent, hop, on va les remettre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Donc, tirage général, ambiance générale, oula, ça saute encore. Ambiance générale, que se passe-t-il en ce moment? Que va-t-il se passer pour cette semaine? Que va-t-il se passer pour cette semaine? Voilà, on en a deux. Tac et tac. Donc, je ne sais pas si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Allez, on y va, c'est parti, mon kiki. Bah, du coup, on en a cinq. Alors, d'habitude, j'en parle pas. Alors, on nous dit la campagne, les animaux. Donc, c'est peut-être le moment de sortir, d'aller à la campagne, de profiter des animaux. Oui, ne restez pas devant la télé parce que les informations ne seront pas bonnes. Hein. Sortez. Qu'est-ce qu'on a? L'espace-temps. Il va y avoir un espace-temps. Il y a quelque chose qui va être dans le temps. C'est pas pour maintenant. Ah, la mer, les océans, alors on va voir, et l'alimentation, aïe. Alors ça, ça me parlerait bien plus tôt, dans un futur proche, on va nous apprendre qu'il risque d'y avoir des tempêtes, ou cyclones, ou je sais pas, une montée des mers, quelque chose avec les océans. Attention à l'alimentation, il se passe quelque chose avec l'alimentation. Alors ça peut être, oh, on va recouvrir parce que ça peut être ou des cyclones ou des tempêtes, ou ça peut être un problème avec l'eau, un problème dans l'alimentation. Attention aux denrées. Donc on va regarder pour savoir ce que c'est un peu plus. Et les médias, est-ce qu'on va avoir des informations par les médias? Alors, on va recouvrir les cartes parce que là, il faut qu'elles soient recouvertes. Là, on n'a pas assez d'informations. Alors, une ici et une ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, sur la campagne, on a l'histoire, le passé, les livres, les animaux et les livres. Attends, hop. Ici, on a informatique. Oula. D'accord, ok. Il va se passer un problème informatique. Il va y avoir un problème informatique. Alors, ça peut être un bug ou je ne sais pas. Il y a quelque chose, des grandes sociétés qui risquent d'être hackées dans les transports. Avec le transport, l'amour et la bienveillance, le sport et l'alimentation, l'amour et la bienveillance. Il y a quelque chose avec le sport. Dans les transports, il n'y a personne dans les transports. Il risquerait peut-être d'y avoir des grèves dans les transports ou quelque chose qui se passe avec les transports. On va continuer avec d'autres cartes. On va continuer du coup avec d'autres cartes. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur, dans cette semaine? Voilà, la semaine prochaine. Que va-t-il se passer dans la semaine prochaine? Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Hop, je repousse mon jeu. Créatures monstres. Oula! Alors, il y a des créatures qui sortent du passé ou des livres. Parce qu'il y a quand même ces animaux. Oula, ne serions pas nous proches de voir un peu plus le monde de la cinquième dimension, ou plutôt les... comment on peut appeler ça? Les extraterrestres, peut-être?
aux États-Unis. Ah, bon, ben, c'est aux États-Unis qu'il va se passer le problème de hacker. Et là, on vient de me dire bourse. Alors, je ne sais pas si là, il va se passer quelque chose avec la bourse. Parce que là, c'est le mot que je viens d'entendre, c'est bourse. Ensuite, je continue avec celui-ci. J'ai l'art et le musée dans les transports. Quelque chose dans l'art, les musées. Une bombe. Ah, ben voilà, c'est ça. Bon, donc il risque d'y avoir. Il y a quand même de l'amour et de la bienveillance sur tout ça. Mais il va y avoir une catastrophe qui va provoquer certainement quelque chose avec de l'eau, donc ou un tsunami ou je ne sais pas, quelque chose. Mais il y a quand même de l'amour et de la bienveillance. Ça veut dire que certainement les gens vont être sauvés si ça met des populations en aide. Et c'est l'Asie. Donc ça sera du côté de l'Asie ce qui va se passer. Ce qui va se passer, ça va être du côté de l'Asie. Donc on a l'Asie et les États-Unis. Les États-Unis, c'est vraiment plus pour tout ce qui est Internet, des choses comme ça, ou dans les médias, il y a quelque chose, l'information, l'informatique. Donc là, ça c'est au niveau des États-Unis. On a les transports et l'art et le musée et l'espace. Le temps, le quantique, l'espace, les transports. En même temps, les transports nous permettent de nous dépasser dans le temps. L'art, peut-être, je ne sais pas ce que là, je ne vois pas très bien. Alors, je vais regarder. Par contre, on a une catastrophe qui va se passer, ça c'est sûr, sur les mers et les océans. Mais nous avons l'amour par-dessus et ça va certainement se situer en Asie. Alors, continuons. Hop là. Je vais récupérer. On continue à mettre par-dessus. Bon, alors faites bien attention, tous, si vous habitez vers l'Asie, risque de se passer quelque chose là-bas. Il y a un problème en Asie qui serait lié aux mers, aux océans, à l'eau en tous les cas. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, d'accord, ok. Bon, ben, y a un problème avec tout ce qui est... tout ce qui est la politique et des choses comme ça qui sont en train d'essayer de nous faire croire des choses, mais les histoires du passé ne sont pas la réalité qu'on veut bien nous faire croire, car il ressemble à ça. Et on va peut-être les voir vraiment sous leur vrai jour, je ne sais pas si c'est ça. Ici, on a... Ben ouais, bon ça va se passer dans des grands bâtiments. Le bug informatique ou la désinformation ou peut-être un krach boursier. Mais un krach boursier, je ne sais pas vraiment. Ça va se passer dans un grand bâtiment. Ici, on a ben, les pyramides. Il y a quelque chose avec les pyramides qui va se passer aussi. Oh là là! Ah ben, ça va être une bonne semaine. Mensonge. Bon, ben, ok. Tout ça, bon, ben... Si vous ne l'avez pas déjà compris, bon, on nous ment depuis toujours sur la fabrication des pyramides, évidemment. Hein, c'est un gros mensonge. Donc ça va peut-être se dévoiler. Il va peut-être y avoir des choses qui vont se dévoiler. Et en Asie, ça risque de chauffer parce qu'il y a un petit peu des personnes qui risquent d'aller en prison. Hein. Donc les dictatures et tout ça, ça risque de... Vite, de Ouh là là, ça va être une semaine peut-être bien mouvementée, j'ai l'impression. Il va se passer des choses, les amis, donc soyez attentifs, faites attention si vous habitez près des mers ou des océans, plutôt vers l'Asie, je dirais, mais après, ça peut être mondial, on ne sait jamais si c'est un tsunami, ça peut... les répercussions peuvent aller très bien. On risque d'avoir des problèmes informatiques. Il y a quelque chose, en tous les cas, qui va sortir de là. Ouais, bon, ben ça c'était un petit tirage pour aujourd'hui, dimanche. Je reviens demain pour faire un autre tirage ou mardi, je ne sais pas. Mardi c'est demain. Ah, mais non, je vous ai dit dimanche tout à l'heure, mais non, on est lundi 6. Hein, je me suis trompée. Ben voilà. Donc voilà, les amis, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Donc ne vous inquiétez pas, il y a quand même l'amour et la bienveillance qui est avec nous, mais faites attention. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous, bye bye.